Bonjour à tous, c'est Doc McCoy. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu pas forcément rétro, même pire que ça, ce serait plutôt un jeu vintage, puisqu'il s'agit d'un soft sorti sur les micro-ordinateurs qui ont précédé le PC, à savoir, ici, je vais vous tester la version sur Thomson, mais par exemple, la boîte que vous voyez ici de ce jeu, c'est la version Commodore 64, Commodore 64 ou 128. Il s'agit, on va essayer de cadrer correctement, Meurtre sur l'Atlantique, Murder on the Atlantic, ici. Tout simplement parce que le jeu est un jeu français, mais là, ce que j'ai chopé, c'est une version vendue à l'étranger du jeu sur Commodore 64. C'est pas la version que je vais vous tester. La version que je vais vous tester, c'est celle que j'ai eue à l'époque sur Thomson TO7, pour moi, TO7 70. Ici, ce sera plutôt une version disquette de TO9. Je vous expliquerai pourquoi au moment du in-game. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? On va ouvrir la boîte, vous allez voir déjà quelque chose de stupéfiant. C'est ça. C'est un jeu qui est sorti sur cassette. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, à une certaine époque, sur les micros, on avait des jeux sur... Là, il y a plusieurs cassettes en plus. On avait des jeux sur cassette. Donc, on avait un lecteur de cassette intégré au PC, qui était optionnel. Et on mettait la cassette dedans et on lançait la bande, on lançait un programme et ça lançait le jeu si on avait de la chance. Ce qu'on peut voir également, c'est que dans la boîte, il y a plein de petits trucs, vous voyez, des petits objets comme ça. Ça c'est une carte de garantie ça. Il y a des cartes de visite. Des drôles de messages, des drôles de caractères sur un petit bout de papier. On ne sait pas ce que c'est. Je zoome pas volontairement sur les indices. C'est pour que vous ayez pas, vous voyez pas non plus trop de choses. Parce que voilà, c'est un jeu à découvrir. Bon, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ce foufoutier? Regardez ici. Ultra secret. Ça c'est génial. Ça c'est une enveloppe qui était normalement fermée. Donc là, elle est ouverte puisque le jeu a déjà été joué. Il faut que je cadre mieux que ça. Le jeu a déjà été joué par la personne qui me l'a revendu. Je l'ai acheté sur eBay, hein, je précise. Et normalement, elle est fermée. On n'a pas le droit de l'ouvrir avant un certain moment dans le jeu. Ici, vous avez des mots griffonnés. Ici, vous avez des photos. Vous voyez, photos de pistolet, photos de... Donc, Moi, la version TO7 que j'avais eue, on avait une vraie photo, il me semble. C'était vraiment un vrai Polaroid. Ici, c'est une version... Voilà, c'est imprimé sur du papier bas de gamme. Là, pareil, des photos, d'autres types de documents ici. Il y a plein de trucs, hein. Des petits mots, un télégramme, radio, oui, on dirait un vrai, radio-télégramme, compagnie radio-maritime, etc. Donc, voilà, on a toutes sortes d'indices qui sont, donc ce sont des indices, hein. Vous voyez, encore une lettre, qui sont fournis avec le jeu. Ça, c'est du braille. Et allez, une lettre, une fausse lettre de menace en papier journal. Le plan du bateau, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Vous vous en doutez, c'est un jeu d'enquête qui a lieu sur un bateau qui s'appelle le Bourgogne, qu'on voit ici. Alors ça, ce que vous voyez là, la pochette verte que vous voyez là, dans le descriptif, dans la jaquette du jeu, c'est tout simplement... Le package de la version TO7, c'est-à-dire il y avait une grande pochette comme ça et tout ce merdier là dedans. Donc là on a une petite boîte pour la version C64. Moi la version TO7 malheureusement je ne retrouve plus rien, c'est pour ça que j'ai racheté cette version, j'ai eu la chance de tomber sur cette version sur eBay que j'ai payé, j'ai dû la payer une vingtaine d'euros, je me suis un peu fait arnaquer sur le frais de port, le mec il m'a facturé plus de 10 euros alors que quand j'ai vu le timbre c'était marqué 3 euros, donc j'ai un peu, voilà. J'ai un peu tilté, mais enfin bon, je ne suis pas mécontent de l'avoir trouvé pour pouvoir vous le tester parce que ce jeu, vous allez voir, le in-game, si on fait le in-game sans présenter cette partie-là, ça rime à rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une génération de jeux. Il y en a eu plusieurs hein, de Cobrasoft. Cobrasoft qui est un spécialiste. On va voir le logo, voilà. Cobrasoft. C'est un spécialiste de ce genre de jeu. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Meurtre en série, Meurtre à grande vitesse, Meurtre à Venise, Murder on Space et quelques autres. Il y en a eu, je crois, plus d'une dizaine. Et à chaque fois, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on a un jeu
sur la plateforme, sur le PC, un jeu qui est relativement basique, bien sûr, avec les graphismes de l'époque. Et le parti pris des développeurs de Cobra Soft, c'était de dire ce qu'on ne peut pas vous montrer dans le jeu, on vous le montre en vrai. Et c'est pour ça qu'on a tout ça. Tout ce que vous avez là, c'est tout simplement tous les indices que vous allez trouver dans le jeu. Quand le jeu vous dit, vous allez trouver un bout de ficelle, eh ben vous allez trouver ici, dans la boîte, un bout de ficelle. Voilà, un trombone, etc. Il y a même, on ne voit pas bien ça, je vais vous montrer ça, je peux vous le montrer parce que on n'y voit rien du tout. Hop, regardez, hop là. Oh là là, voilà. Ici, regardez le bout de mon doigt. Non, trop près. Je sais pas si vous le verrez. Non, ouais, voilà. Là, ça a fait le point. Sur le bout de mon doigt, c'est un microfilm. C'est un microfilm. Voilà, ça fait partie des indices du jeu. Et il y a quelque chose dessus, hein. Si vous prenez une loupe ou les lampes pour agrandir les négatifs, qui existaient quand j'étais petit, vous pouvez, ou même vous passez ça sur un scanner, vous allez pouvoir voir ce qu'on voit. Enfin, on voit bien, on regarde de près, mais là vous verrez pas. Mais on voit à peu près, et après il faut l'agrandir pour voir ce que c'est. Essayez de pas le perdre. On a une douille de balle. Bon, c'est une fosse, hein, évidemment. Sachant que sur la pochette, il marque bien, vous avez par exemple certains indices qui ne sont pas fournis, comme par exemple le pistolet automatique, et ici bien sûr le cendrier, le cigare, qui ne font pas partie du jeu. Mais à un moment donné, on nous dira juste, on a trouvé un pistolet automatique, bon bah c'est celui-là. Bien sûr, il n'est pas fourni avec le jeu. Mais par contre, on a, à un moment donné, je vous ai montré une photo d'un pistolet. Donc ça, tout ça, vous allez le trouver dans le jeu. Quand le jeu nous dira, on a trouvé telle chose, ce sera là-dedans. Donc ça, c'est la première chose. Mais vous allez me dire, oui, bon bah d'accord, mais à la limite, on s'en fout de savoir qu'on a trouvé, on sait qu'on a trouvé tel indice, on n'a pas besoin de le voir physiquement. Mais il y a autre chose, il y a autre chose. Si je prends par exemple cette chose-là, ça c'est un message codé. Pour savoir ce qu'il y a marqué dessus, parce que c'est pas du gribouillis, hein, c'est pas des caractères mis là au hasard, ça veut vraiment dire quelque chose. Il faudra trouver le mot-clé. Et là, il faudra trouver comment le décoder. Et je vous rappelle qu'on est sur micro-ordinateur, TO7, ou Commodore 64, mais peu importe. Pour décoder ce message, il faudra trouver la façon d'écrire le programme qui sait décoder le message, et il faudra l'écrire, il faudra programmer dans l'interpréteur basique de l'ordinateur la bonne séquence, rentrer le message dedans avec le bon mot de passe, avec le bon mot-clé, et vous aurez la version décryptée du message. Et ça, c'est fort. Il y a une interaction énorme avec tous ces objets-là. C'est pas simplement du contenu en plus. C'est-à-dire, on a des objets, ou alors, ah, c'est bien, j'ai trouvé un microfilm, ah, voilà un microfilm. Ils auraient pu se contenter de nous mettre une photo de ce qu'il y a dessus sur un papier. Non. Par exemple, encore un autre exemple. Ici, vous avez une lettre en allemand. Eh ben, pour savoir ce qu'il y a marqué dessus, ben, il faudra la traduire. Elle est en allemand, ben, vous prenez un dictionnaire, soit vous trouvez quelqu'un qui parle allemand, soit vous apprenez l'allemand, voilà. Ou alors, vous trouvez un dictionnaire franco-allemand et vous essayez de décrypter à peu près ce qui est marqué. Donc, ça, c'est un autre exemple. Il y a quoi d'autre? Il y avait d'autres trucs aussi. Ah oui, bah oui, ça aussi. Le braille. Je rappelle, pour ceux qui connaissent pas, le braille, c'est pour les non-voyants. C'est ça, pour un non-voyant, ça veut dire que c'est au toucher, il va réussir à lire ce qui est marqué. Eh ben, dans le jeu, à un moment donné, on va vous dire ce qui est marqué dessus, sauf que vous pouvez pas être sûr que c'est vrai. Et donc, il va falloir décrypter ça. Eh ben, la seule solution hors game, in-game, il n'y a pas de solution. Pour savoir ce qui est marqué dessus, eh ben, il faut que vous alliez voir un non-voyant qui sait lire le braille, vous lui donnez et vous lui demandez ce qui est marqué dessus. Il y aura pas mal aussi de choses dans le jeu, notamment certains personnages qui vous poseront des questions et auxquelles, pour répondre, il faudra se documenter.
Faudra aller sur alors faudra aller sur internet aujourd'hui, mais à l'époque il n'y avait pas internet. Donc pour se documenter à l'époque, quand on vous disait une question du genre qui est l'autre, en fait le mot de passe de telle chose, c'est le nom de la fille de l'auteur de tel livre. Bah, il n'y avait pas de solution pour se documenter, il fallait aller à la bibliothèque, trouver le bouquin, ou éventuellement trouver une encyclopédie. Une encyclopédie où on pouvait trouver une biographie courte, une description de cet auteur pour savoir quel était le nom de sa fille ou quel était le nom de son chien ou j'en sais rien. Donc le jeu va nous poser certaines questions et pour trouver la réponse, il faudra tout simplement se documenter. Donc aujourd'hui c'est devenu extrêmement simple, il suffit de taper sur Google, en 3 secondes vous trouvez la réponse. Mais à l'époque, si on n'avait pas d'encyclopédie chez soi, il fallait aller à la bibliothèque. Donc ça, c'est une interaction énorme, c'est vraiment ce genre de jeu, il y en a eu plusieurs je le rappelle, ce genre de jeu c'est vraiment une interaction entre, c'est vraiment un mix, un hybride entre un jeu vidéo pour l'aspect principal du jeu, l'aspect navigation dans le bateau, j'ai même pas encore parlé de l'histoire, l'aspect navigation dans le bateau et une sorte de jeu de société. Vous savez, les jeux un petit peu comme Cluedo, ou pour la version basique évidemment, ou ça peut être aussi les jeux qu'il y a eu à un moment donné, les jeux Atmosphere, donc qui étaient des jeux où il y avait un support CD ou un support cassette ou DVD et un plateau avec des choses à faire et on devait regarder le film et selon ce qu'on faisait, ça faisait avancer l'histoire. Ben là c'est pareil, c'est un mix entre un jeu vidéo, un jeu société, alors je dirais pas forcément un livre dont vous êtes le héros parce que il n'y a pas énormément d'influence des choix. C'est-à-dire que l'image elle est figée, le scénario, le déroulement est figé, vous avancez, vous restez bloqué, ça c'est à vous de voir si vous trouvez les réponses ou pas, mais vos choix ne vont pas forcément influencer le déroulement du scénario et le déroulement de l'enquête. Par contre, si vous avancez pas dans l'enquête, vous êtes coincé. Sans plus tarder, tout simplement, je vous propose de se retrouver dans la séquence in-game pour que vous voyez un petit peu l'interface du jeu. Vous voyez quelle est la simplicité de l'interface du jeu. Je vous parlerai de l'histoire à ce moment-là et je vais essayer de faire des raccrochages avec les indices et le jeu. On se retrouve sur l'interface de l'émulateur DC Moto qui va me servir à faire fonctionner le Thomson TO7, ou plutôt TO9 Plus ici, puisque c'est la version de l'émulateur qui fonctionne le mieux. Donc DC Moto, c'est la référence en termes d'émulateur pour plateforme Thomson. Donc je vais vous montrer, on va lancer le basique. Hop. Et il me lance le jeu direct. Direct, nickel. Normalement, il faut taper un truc, mais là, il me le lance direct. Donc vous pouvez constater que le jeu n'a pas ou très peu de musique. Alors il y a quelques bruitages dedans, des petits bips quand on prend l'ascenseur. Il va y avoir aussi quelques endroits où ce sera intéressant d'avoir le son. Mais globalement, on va considérer qu'il n'y a pas de bande son. Donc je vous calerai, comme l'action se passe, comme vous le voyez ici en 1937, je vous calerai des musiques des années 30 pour essayer de rentrer dans l'ambiance. Donc là, on nous demande si je veux charger un état d'enquête, c'est-à-dire charger une sauvegarde que j'aurais fait préalablement sur cassette. Je vais appuyer sur N pour non. Et on arrive dans le jeu. Donc, ici, vous avez tout simplement... J'étais en train de me demander, est-ce que je vous pointe les trucs à la souris ou pas? Je ne sais même pas si l'émulateur, si le logiciel de capture est configuré pour le voir. On va essayer. Ici, vous avez... c'est nous. Vous avez le point. Le point qui est là, c'est nous. C'est notre personnage. Vous voyez que le bateau est quand même assez grand. On pourra visiter toutes les petites cabines, tous les petits endroits qui sont là. C'est la principale et seule interface du jeu. Hein. Donc il faut bien avoir en tête ce que ça fait. Ici, c'est différentes fenêtres qui nous permettront d'afficher des informations. Et là, on aura du texte qui va s'afficher. Ici, on voit le pont sur lequel on est. Vous verrez qu'avec les ascenseurs qui sont ici et là, on pourra changer de pont. Avec les flèches gauche et droite, on peut se déplacer. Voilà, comme ça. Et une fois qu'on est dans une pièce, on peut utiliser différentes touches, notamment la touche voir qui permet de voir où on est.
On est ici, on voit qu'on est dans une salle de danse. Il y a une petite image ici qui apparaît. On peut également regarder pour voir s'il y a quelqu'un. S'il y a quelqu'un dans la salle. Apparemment, il n'y a personne. En appuyant sur R. Vous voyez ici, normalement, je dois avoir la tête de quelqu'un qui apparaît quand il y a quelqu'un. On va essayer de trouver une pièce où il y a quelqu'un. Et là, quand j'appuie sur fouiller, ça fait les deux en même temps. Ça fouille la pièce et ça fouille également la personne qui est là. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un. Donc cette personne, je vais pouvoir l'interroger. Donc une petite parenthèse tout de suite sur la version disquette par rapport à la version cassette. La version disquette contient le jeu, le test que vous verrez à la fin et les interrogatoires, c'est-à-dire les données de chaque témoignage. Ce qu'on appelle les témoignages, voilà. Sur la version cassette, vous avez une phase pour le jeu, la version TO7, une phase pour le jeu et une phase pour les témoignages. Il faut bien comprendre que c'était assez compliqué à l'époque, rien que pour avoir un témoignage. Pour avoir un témoignage, il fallait lancer le jeu, il fallait lancer le témoignage, il y avait une séquence qui se déclenchait. À ce moment-là, il fallait regarder sur un des documents qu'on avait fourni avec le jeu, sur lequel on avait le numéro du témoignage. Vous allez voir, hein, quand j'appuie sur « I » interroger, il me marque « Témoignage numéro 28 ». Il fallait que je regarde le témoignage numéro 28 qui correspondait à un index pour la cassette. Ensuite, je rembobinais la cassette du côté témoignage, je mettais le compteur du lecteur de cassette à 0 et je faisais avance rapide jusqu'à l'index en question. Et une fois arrivé là, je revenais un tout petit peu en arrière, j'appuyais sur lecture et j'appuyais sur la touche, je crois que c'est la touche T pour témoigner, au moment où le compteur arrivait à l'index indiqué et hop, ça lançait le texte. Ici, il n'y a pas tout ça et heureusement, sachant qu'il est tout à fait possible d'émuler la version cassette. Mais alors à ce moment-là, il faut avoir l'émulateur d'un côté et un logiciel qui émule le lecteur de bande de l'autre. Avec les index et tout, c'est quand même vachement chiant. Mais pour les jeux qui ne sont sortis que sur cassette, il n'y a pas le choix. Ici, on a heureusement la chance que le jeu soit sorti également sur disquette. Donc les témoignages se lancent instantanément. Donc je vais essayer de vous montrer quelques endroits remarquables du jeu. Donc déjà ici, on va aller à l'ascenseur. Hop, vous voyez qu'on peut également fouiller les ascenseurs. Il faut appuyer sur la touche, alors c'est quelle touche déjà? La touche étoile pour appeler l'ascenseur. Non, c'est pas la touche étoile, c'est... Ah oui, non, c'est pas ça. Et là, j'ai bloqué le jeu. Voilà, je crois que j'ai bloqué le jeu. C'est pas grave. Il y a une touche comme ça qui permet de bloquer le jeu. Mais alors, à quoi elle sert? J'en sais strictement rien. Ah, voilà. C'est bon. C'est la touche qui permet de faire une pause processeur. Le processeur il est fatigué, donc on fait une pause processeur. Alors c'est quelle touche déjà le... Mais non. Enfin. Là autre chose ici. Allez, va-t'en. Voilà. Non. Bon, allez, hop. Comment on peut faire? Échappe. Lance. J'ai plus l'habitude de l'interface du TO7 hein, ou du TO9. J'ai essayé d'éviter de faire des conneries. C'est quelle touche déjà pour l'ascenseur? On va trouver. Hein. On va trouver. Vous voyez là par exemple cet écran là, l'écran de chargement. En version cassette, fallait bien compter un quart d'heure pour charger le jeu. On restait sur cet écran là avec un bruit de bande qui défilait pendant un quart d'heure. C'était faire une partie de ce jeu comme ça à l'arrache vite fait, c'était pas possible. Hein. Alors, c'est quoi la touche pour l'ascenseur? Quoi ça? Faire afficher l'ascenseur. Voilà, hop. Et ben. C'est très préparé comme test, hein. Remarquez. C'est quelle touche pour l'ascenseur, bon sang? Celle-là, peut-être. Oui, voilà, c'est la touche
et commercial, c'est la touche 1 en fait. Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le layout des touches sur un clavier d'aujourd'hui n'est pas le même que celui du TO7. Sachant que dans l'émulateur, on peut remapper des raccourcis pour certaines touches qui n'existent plus ou qui sont difficilement accessibles sur nos claviers modernes. Donc là, on peut choisir son niveau de pont. Ici, on est sur le pont D. On peut aller sur le pont C qui est juste au-dessus, jusqu'au pont M qui est tout en bas. On va aller au pont A. Parce que je voudrais vous montrer quelque chose qui est très intéressant dans le déroulement de l'enquête. Là, ça monte, ça monte. Vous voyez, on a une petite animation. Donc, à chaque fois qu'on a l'animation de l'ascenseur, on a un petit bip quand il est arrivé, un petit bip quand il repart. Mais c'est à peu près les seuls bruitages qu'on aura dans le jeu. À l'exception d'autres choses que je vais vous montrer juste après. Donc là, je vais aller me promener tout au bout là-bas. Vous voyez, c'est un petit peu long. J'essaierai de vous accélérer les phases où je dois me promener dans le bateau. Alors, dans cet endroit-là, on va regarder ce qu'on voit. Voilà. On est en local radio. On va regarder si on a quelqu'un. Effectivement, il y a quelqu'un. Et on va essayer de l'interroger. Et il nous dit « c'est trop tôt ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh ben, c'est tout simplement que pour pouvoir interroger ce personnage, il va certainement falloir soit interroger d'autres personnages avant, soit trouver un objet qui soit en rapport avec lui et qu'il fasse parler. Donc là, c'est simple. Sur celui-là, c'est très simple. Il suffit d'aller voir... Alors, c'est pas là. Si, c'est pas loin d'ici. D'aller voir le commandant du navire. De lui parler, donc de l'interroger. Tout d'abord, permettez-moi de vous saluer. Donc ça, ces témoignages-là, il ne faudra pas hésiter à les noter. Ce sera très important de noter ce que les gens nous disent, parce que dans chaque témoignage, il y a des éléments qui permettent de recouper avec d'autres témoignages, de savoir qui a fait quoi, à quelle heure. Voilà, toutes les informations qu'on vous donne sont utiles. J'ai pas parlé du scénario. C'est très simple, hein, le scénario. Il y a un aviateur qui s'appelle Philippe de Lavallière qui a été assassiné, qui était présent sur le bateau, qui devait se rendre aux États-Unis sur ce bateau pour tenter de battre un record de traversée de l'Atlantique en avion. Et cette personne a été tuée et retrouvée morte dans le bateau. Et à ce moment-là, vous êtes chargé de l'enquête. Vous êtes contacté comme vous êtes à bord. On ne sait pas pourquoi, vous êtes un policier apparemment. Vous êtes contacté pour résoudre l'enquête. Voilà. Et vous avez vu que le titre du jeu, c'est « Meurtre sur l'Atlantique » au pluriel. Ça veut dire que ce meurtre ne sera peut-être pas le seul. Donc là, on va retourner voir notre ami, l'opérateur radio, et on va pouvoir l'interroger. Puisque le commandant nous a permis de l'interroger. Donc il faudra fouiller un peu partout et il faudra surtout ne pas hésiter à noter sur une copie du plan du bateau les endroits où on a trouvé les indices, les endroits où on a rencontré des gens à qui on n'a pas pu parler. C'est un jeu qui demande une interaction hors game, c'est-à-dire de noter des choses, d'essayer de faire des raisonnements. C'est absolument énorme tout ce qu'il faut faire en dehors du jeu. Et c'est un des points forts du jeu. C'est vraiment une vraie enquête. Donc là, ils nous expliquent qu'ils ont reçu un message radio en morse. Un message radio en morse, on peut l'écouter. Je ne vais pas le faire parce que tout simplement, je vous ai dit, il n'y a pas de son. Et moi, j'ai coupé le son parce qu'en fait, l'émulateur provoque un gros grésillement très désagréable. Par contre, j'ai enregistré ce message. J'essaierai de vous le passer quand même. Et là, je vais répondre non. Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a lancé, on ne peut pas l'arrêter. Il faut le laisser se dérouler et c'est un message qui est assez long. Une autre chose que je voulais vous montrer, et ça se passera sur le pont B, c'est pas très loin, mais il y a toute une partie du bateau où il y a des endroits comme ça. Vous allez voir qu'il y a certains endroits auxquels on n'a pas accès pour le moment. Ça, je vais vous le montrer. En fait, il y a une partie du bateau qui est inaccessible et il y aura une action particulière à faire pour la déverrouiller. Vous voyez, je vais ici. Couloir, donc ça, il n'y a rien dedans. Vous voyez, interdit, non autorisé.
C'est-à-dire que là, j'ai beau appuyer sur F pour fouiller, j'ai beau faire R, j'ai beau regarder, j'ai beau faire action, tout ce que vous voulez, je ne peux absolument rien faire. Donc pour ça, il faudra tout simplement aller voir un personnage qui aura le pouvoir de nous autoriser à débloquer les zones bloquées et ça nous permettra de découvrir d'autres indices. Alors pendant que je me promène dans les coursiers, vous voyez que là je dois aller en fait sur la partie gauche du bateau, sur le pont G. Le problème c'est que comme j'étais à droite et que je peux pas traverser, je peux pas voler à travers les halls, je suis obligé de descendre au pont I, traverser le pont I et de remonter ensuite au pont G par le deuxième ascenseur. Donc je vais en profiter pour vous parler un petit peu de la plateforme Thomson. C'est une plateforme que moi j'ai connue, c'est mon premier micro-ordinateur, celui que ma sœur avait en fait, le Thomson TO770. Thomson est connu évidemment pour ses ordinateurs, les ordinateurs qu'il faisait à l'époque, en 1985-86. Évidemment pour la loi, la fameuse loi Jospin sur l'informatique, et qui permettait, qui en fait fait un système de subvention pour les écoles primaires. Une école sur trois était équipée en salle informatique et qui était représentée notamment par des équipements Thomson, MO5 et était aussi, je crois, surtout du MO5. D'ailleurs, il y a une association qui porte ce nom, une association de sauvegarde du patrimoine vidéoludique, l'association MO5, qui est bien connue et qui fait des choses super pour la préservation du patrimoine vidéoludique. Bon, bah voilà, c'est représentatif de toute une époque antérieure au PC. C'est l'époque de ces micro-ordinateurs. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai connu, et bien sûr que les plus jeunes d'entre vous ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors, cabine 724, il faut que j'aille. Voilà, là on a une personne. Donc cette personne, on la fouille, on trouve la photo d'un port, une carte de visite, on va l'interroger. Donc là, ce qui est rigolo, c'est que comme c'est un Allemand, ils ont cru malin de retranscrire son accent sous forme textuelle. Bon, ça, c'est moyen, mais les informations principales sont là. Je vous conseille de ne pas forcément vous intéresser à ce qu'il dit, sauf à la fin. Pourquoi ? Parce qu'il va nous parler d'un élément intéressant sur lequel je reviendrai ensuite en séquence vidéo. Vous venez de le voir, l'un des personnages nous a parlé d'une cartouche de révélateur. Donc cette cartouche, elle est là. Donc là, c'est une cartouche d'encre. Donc elle ne sert plus à rien. C'est pour vous montrer à quel point l'interaction est vraiment importante. C'est une cartouche d'encre qu'ils ont mis pour remplacer la cartouche. Au départ, c'était une cartouche de produit rouge. Mais il faut savoir que c'était vraiment un produit révélateur et qu'il y a un papier là-dedans sur lequel on mettait ce révélateur et ça faisait apparaître un nouveau message. Donc aujourd'hui c'est plus possible puisque le produit original on l'a plus parce que c'est à usage unique en fait. C'est à usage unique, c'est un petit peu comme l'enveloppe. L'enveloppe qui est là, elle a été ouverte une fois. Elle a été ouverte une fois, on la laisse fermer, on met une enveloppe blanche, mais on n'aura plus exactement la même enveloppe. Donc le jeu a déjà été joué une fois, donc évidemment ça c'est ouvert et le révélateur, il n'y en a plus. Qu'est-ce que je devais vous montrer d'autre ? Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que la façon de jouer à ce jeu, pourquoi il y a ce gros cahier là depuis le début de cette vidéo, tout simplement pour jouer à ce jeu, il faut consigner, vous voyez, ici vous avez les visages des différents personnages qui ont été découpés, il y a une feuille qui est fournie, je vous conseille, quand vous avez ce jeu, vous avez la feuille avec tous les visages des personnages, vous la photocopiez, vous les découpez et vous prenez un cahier comme ça ou un carnet et vous notez. Vous mettez une photo et après vous pourrez consigner l'interrogatoire de chacun des personnages. Vous voyez à chaque fois les personnages. Hop, à chaque fois, voilà, ici, là où il faut bien aussi marquer quel est le personnage, où est-ce qu'on le trouve,
parce que le bateau est grand. Et là, on consigne son interrogatoire, exactement ce qu'il nous a dit. Pourquoi ? Parce que pour résoudre l'enquête, il est absolument indispensable d'interroger tout le monde, bien sûr, de visiter tout le bateau. Mais également, il va falloir recouper les témoignages, recouper les différentes informations pour retracer le déroulement de la soirée du meurtre et essayer d'établir déjà qui dit la vérité et qui ment. Et aussi, essayer de trouver qui peut être le meurtrier. Donc ça, bah c'est ni plus ni moins qu'un vrai travail d'enquêteur. Je veux dire, vous avez des témoignages, vous avez de la récolte d'indices, vous avez un travail d'enquête à faire au niveau recoupement, vérification des infos et au final, déduction. C'est ni plus ni moins un vrai travail d'enquêteur. C'est, je pense, le style de jeu d'enquête policière pour les amateurs de polar. C'est ce qui se fait aujourd'hui, c'est ce qui se faisait à l'époque et je pense encore aujourd'hui de plus réaliste. Et j'ai pas peur de le dire. Pourquoi ? Parce que vous avez vraiment des éléments palpables et toutes les réponses ne se trouvent pas dans le jeu. Et c'est ça qui est fort. Tout n'est pas dans le jeu. Parce que quand toutes les réponses à un problème sont au sein d'un jeu vidéo, je prends par exemple un point and click, une méthode, un jeu d'aventure où il faut quand même résoudre des énigmes, dans un point and click, quand vous ne trouvez pas la réponse de manière logique, vous avez tendance à essayer tout et n'importe quoi. On va prendre chaque objet qu'on a récolté, on va l'essayer, le combiner avec un autre, l'essayer sur une serrure, et au final, on va trouver un truc qui n'est pas forcément logique pour nous. Mais au final, une fois qu'on l'a trouvé, on se dit « Ah ouais, c'était ça !» Et ça marche. On procède par élimination. Dans les jeux vidéo d'enquête, les jeux vidéo d'énigmes, fort logiquement, vous faites ça, c'est long, mais vous finirez par trouver la réponse. Ici, non. Ici, non. Une fois que, si vous êtes bloqué et que l'information à trouver, elle est extérieure au jeu, par exemple, si vous êtes bloqué et que la solution à votre problème, elle se trouve dans cette petite feuille de braille ou elle se trouve dans le message codé, à moins de faire le cheminement jusqu'au bout, de lire le braille, de décoder le message codé, vous êtes coincé. Vous êtes coincé. Ici, vous constatez que suite à l'interrogatoire de ce passager, je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas quel est son nom, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Donc, il y a un élément qui est très important dans le jeu, c'est ça. Ça, c'est la liste des passagers. La liste des passagers du bateau. Tout simplement, grâce à ça, vous allez pouvoir savoir qui est qui. Parce que certains passagers vont vous donner les noms d'autres passagers. Mais sans ça, impossible de savoir à qui vous avez parlé et de qui on parle. Donc, vous avez une liste des passagers qui est classée par numéro de cabine et par ordre alphabétique. D'abord par ordre alphabétique et ensuite classée par numéro de cabine. Et donc, à chaque fois, alors il suffit de regarder, hein, vous allez... Alors, bien sûr, il y a des passagers présents sur cette liste qui ne sont pas dans le bateau. Là, vous avez énormément de noms, mais en réalité, vous avez vu, il y a une cinquantaine de visages, une cinquantaine de personnes qu'on va croiser dans le jeu. Passagers et membres d'équipage compris. Donc, évidemment, tous ces gens-là ne seront pas accessibles dans le jeu. Donc, c'est aussi pour vous embrouiller, c'est-à-dire il y a des noms qui ne correspondent à rien dans le jeu. Donc, il faudra énormément utiliser ça pour tout simplement savoir à qui on s'adresse et qui est qui, parce que les gens ne se présenteront pas forcément. Tout ce qu'on saura, c'est qu'ils sont dans leur cabine. Donc, on arrivera dans la cabine et avec le numéro de cabine, on peut retrouver le nom de la personne. Donc ici, je vais vous montrer une particularité sympathique des personnages. Notamment, alors si je le retrouve, ça doit être par là. Hop. En fait, vous allez avoir... Ah, voilà. Vous voyez ? Là, on a le capitaine Haddock, carrément, qu'on peut interroger, qui est là, en fait, qui est un personnage qui sert un peu à rien. En fait, toutes les images, toutes les photos digitalisées des personnages sont plus ou moins tirées de personnages réels ou de fiction ou d'hommes politiques, notamment.
Vous avez certains personnages qui sont des acteurs également. Vous avez c'est des photos d'acteurs. Soit dans des, alors souvent, c'est des images qu'on a déjà vues, soit sur des jaquettes de films, soit sur des scènes connues d'acteurs américains ou français. Vous avez le Capitaine Haddock, vous avez Charlie Chaplin. Vous avez également un personnage qui reprend le sprite, enfin le sprite du personnage reprend la tête de Laurent Fabius et Georges Marchais. D'ailleurs, c'est très drôle puisque dans le personnage dans le jeu s'appelle Georges Courret. Ça, c'est de l'humour à la Cobra Soft, des petits clins d'œil, sachant que on imagine bien qu'aujourd'hui, il est impossible de faire la même chose en mettant des personnages connus, des photos de personnages connus, sans que ceux-ci réclament un droit à l'image et une rétribution pour leur présence dans le jeu. Encore un aspect atypique de ce jeu, lorsqu'on pense avoir résolu l'enquête, il y a une étape à franchir, c'est-à-dire que, par exemple, sur la version cassette, ici, non, c'est pas celui-là, sur la version cassette, vous avez, sur cette cassette-là, cassette 1, vous avez ici, on voit, c'est marqué Game, donc c'est là, c'est la partie qu'il faudra lancer pour jouer au jeu. Vous avez l'autre cassette qui est la cassette où sont contenus les témoignages. Et vous avez la phase B de cette cassette. Il fait le point, bon, voilà. La phase B de cette cassette, c'est marqué test. Test, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. C'est la manière de résoudre le jeu. En fait, il faudra répondre à des questions, tout simplement. Et c'est un questionnaire. En parlant de questionnaire, je vais tout de suite, avant de vous montrer le test, comment ça marche, c'est assez rapide. Je vais quand même vous parler d'un autre questionnaire qui était exclusif à la version TO7 70. C'est le questionnaire qui permettait de gagner une croisière en Méditerranée. Donc en fait, c'était un ensemble de questions. Donc il y avait les questions du questionnaire du jeu, plus certaines zones questions plus techniques, plus difficiles à trouver. Si on répondait bien à toutes les questions et qu'on était capable d'écrire une petite nouvelle relatant l'histoire de cette croisière, on envoyait tout ça à la boîte d'édition, à Cobra Soft, et on était tiré au sort, enfin on n'était pas tiré au sort, il y avait un jury qui était chargé d'évaluer les dossiers et avant une certaine date, et celui qui avait trouvé toutes les réponses, le maximum de réponses aux questions de l'enquête et qui avait écrit une nouvelle que le jury avait jugée satisfaisante, gagnait deux places pour une croisière en Méditerranée, c'est quand même pas mal. Et il y avait aussi les 9 autres participants, c'était pour les 10 premiers, il y avait des bons d'achat de 500 francs à l'époque, valables sur des jeux Cobra Soft et Infogram. Donc c'est des choses qu'on retrouve pas vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, quand vous avez des concours qui sont organisés sur les jeux, vous achetez un jeu dessus, il y a marqué gagner, naninana, c'est souvent soit pour gagner des bons d'achat, oui, toujours, des contenus normalement payants pour les avoir en exclusivité, des contenus exclusifs, des contenus gratuits, c'est pour gagner, voilà, des choses comme ça, et souvent c'est du tirage au sort. Il n'y a pas de. Là, on vous demandait quand même, d'une part, d'avoir joué au jeu, d'avoir réussi à résoudre l'enquête, ou en tout cas d'avoir élucidé un maximum de points de l'enquête, et aussi de faire preuve de créativité en essayant d'écrire une petite histoire, ce n'était pas un roman qui demandait, hein, une petite histoire sur le thème de cette croisière meurtrière. Et donc ça c'est vraiment quelque chose, c'est encore une avancée, une poussée dans le réalisme du jeu vidéo allié au contenu physique, tout ce qui est là. Et franchement, pour moi, ça c'est génial. C'est une bonne façon de conclure sur. C'est une bonne façon de conclure cette aventure. Donc tout de suite, je vous montre le questionnaire de fin et on se laissera là pour cette vidéo. On est de retour sur l'interface du TO9. Tiens, j'avais même pas remarqué que vous aviez la date du test qui s'affiche. Donc vous savez quand cette vidéo a été tournée. Donc je vais lancer l'interpréteur basique. Allez, lance-toi. Voilà. Et ici, on arrive dans la console basique. Donc la console basique qui va nous permettre de lancer non pas le jeu, mais le questionnaire qui permet de valider ses connaissances sur le jeu. Alors c'est ça. Non, c'est ça. Ah, alors, attention, parce que... Bon, bref. Run. Ah, c'est quel...
Ouais, c'est chiant. Run. Alors, c'est quelle touche déjà pour faire le machin? Je fais n'importe quoi, là. Je ne trouve plus la touche qui permet de faire le symbole. Ah, si, c'est... Ouais, c'est ça. Run. Test. Normalement, ça marche. Test d'évaluation meurt sur l'Atlantique. Voilà. Et là, bah, tout simplement, il va falloir taper le nom de la première question. Qui a écrit la lettre de menace? Donc, comme vous et moi, je le sais, mais vous le savez pas. On va répondre, je ne sais pas moi, Hooper. En plus, voilà, il y a une petite latence de l'émulateur, ce qui fait que des fois, ça saute des lettres. Qui est la star la plus brillante? Écoutez, McCoy. Voilà. Donc à chaque fois qu'il vous pose une question, il vous répond si la réponse est vraie ou fausse et il vous donne un indice sur le nombre de caractères, ce qui permet de procéder plus ou moins par élimination, mais globalement, il faudra quand même connaître la réponse. Comment s'appelle la machine que l'on voit sur le microfilm? Donc ça, je peux vous le dire, c'est quelque chose qui est assez connu pour ce jeu en tout cas. Sur le microfilm, vous avez une photo de la machine qui permet de décoder le message codé marqué Geheim. Et ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans le test de Silent Service. C'est la machine Enigma. Réponse juste. Voilà. Pour le reste, je ne vais pas aller plus loin dans les questions. Donc ça, c'est ce test qui permet de valider si on a résolu l'enquête ou pas. Puisque c'est le seul moyen d'avancer dans le jeu une fois qu'on a résolu l'enquête, de répondre à toutes ces questions pour véritablement avancer dans le jeu. Voilà. Donc, c'est pour moi un principe de jeu absolument génial, ce type de jeu. Donc, les jeux à la meurtre sur l'Atlantique, meurtre à grande vitesse, meurtre à Venise. Donc, ils sont tous différents. Hein. C'est-à-dire que dans les autres, vous avez aussi le temps qui joue contre vous. C'est-à-dire que vous aurez certaines séquences timées. Il y aura certains endroits où vous ne pourrez pas aller de telle heure à telle heure en considérant le temps réel, hein, l'heure réelle. Et il y a aussi certains endroits qui ne vous seront accessibles qu'un certain temps, pendant un certain temps d'enquête. Et après, ce qui devait s'y passer, ce sera déjà passé, ce sera trop tard, vous ne pourrez plus agir. Donc ça, c'est valable dans les autres jeux. Dans celui-là, il n'y a pas énormément de considérations par rapport au temps. En tout cas, moi, je ne crois pas. Est-ce que c'est un jeu que j'ai fini? C'est un jeu où j'ai résolu quand même pas mal d'énigmes, mais il y a encore des choses qui m'échappent, encore aujourd'hui. Pourtant, je l'ai refait il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de coder le programme qui permet de traduire le message codé, j'ai pas réussi encore. C'est pas très dur, hein, mais le problème, c'est qu'il vous incite à le faire directement sur un interpréteur basique du TO7, et une fois qu'on a codé le programme et qu'il fonctionne, on s'aperçoit que on peut pas rentrer tout le texte d'un coup, en fait, il faut le rentrer en plusieurs morceaux. Et comme on peut pas, à proprement parler, importer un fichier texte dans cet émulateur, j'ai fait une tentative, j'ai vu que ça marchait pas et ça m'a saoulé de retaper toutes les lignes de code et j'ai arrêté, quoi. Donc si vous devez jouer à ce jeu et si vous voulez décoder le message, une fois que vous avez trouvé comment faire, utilisez un autre programme, utilisez pas l'interpréteur de l'émulateur, ça va pas marcher. Utilisez n'importe quel programme permettant de coder du C, du Basic, du Pascal, ce que vous voulez, mais pas l'interpréteur de l'émulateur. Outre son grand âge, est-ce que c'est un jeu que je vous conseille? Ben moi, oui, si vous êtes amateur d'enquête policière, si vous adorez les polars, si vous avez envie de jouer à un jeu différent, d'être dépaysé en menant une vraie enquête, c'est un jeu que je vous conseille. C'est un jeu que je vous conseille si vous voulez vous faire une soirée polar. Vous vous installez avec des amis devant un PC avec ce jeu. Vous mettez des petites musiques d'ambiance. Vous sortez tous les indices. Vous essayez de résoudre l'enquête. Normalement, vous devriez bien vous arracher les cheveux. Vous devriez bien vous amuser. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve une prochaine fois pour un autre test ou une autre vidéo. C'était Doc McCoy. Salut!